Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un tag je vais vous expliquer mon aventure. J'étais dans le bus et je me suis mise à chanter Libérée, délivrée de la Reine des Neiges. Et là j'ai regardé ma meilleure amie et je lui ai fait, il faut que je fasse un tag sur ce film. S'il n'existe pas, je l'invente. Et en cherchant un petit peu, j'ai découvert qu'il existait. Je comprends pas pourquoi il n'a pas tourné énormément, puisque oh, mais c'est un tag qui se doit d'être réputé dans le monde entier. Donc je vais vous faire le Frozen tag, donc le tag la Reine des Neiges. J'ai traduit les questions de par mon peu d'anglais, ouais, on peut dire ça comme ça. donc c'est parti. Question numéro 1, combien de fois as-tu vu ce film? J'ai vu ce film... Il me semble que j'ai vu ce film 4 fois, mais ça suffit pour que ce soit l'un de mes films préférés. En tout cas de mes films Disney. Ouais, j'ai dû le voir 4 fois. Question numéro 2, quel est ton personnage préféré? C'est dur. Je pense que mon personnage préféré est Olaf, vraiment, parce que... Ce petit bonhomme de neige est l'être humain parfait qu'il faudrait qui existe sur Terre. En gros, il faudrait que la plupart des gens soient comme ça, gentils et drôles et innocents comme ça. Voilà, j'adore le caractère de ce petit bonhomme de neige. Question numéro 3, qui aimes-tu le moins? Celui que j'aime le moins. Bah, c'est le méchant. Je pense que le personnage que j'aime le moins est Hans, si je me trompe pas il s'appelle comme ça. C'est le soi-disant héritier du roi ou je ne sais quoi là, le soi-disant grand amour de la vie d'Anna, qui en fait est un méchant. Ouais, je pense que c'est lui que j'aime le moins. Question numéro 4, Elsa ou Anna? Eh bien, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire Anna quand même. Hein. Ouais, je pense que... Ouais, je préfère Anna à Elsa. Même si j'aime beaucoup Elsa. Hein. Mais Anna, je la trouve plus expressive. Question numéro 5, quelle est ta chanson préférée du film? Et là... Honnêtement, je les ai toutes aimées, autant Let It Go que... Enfin bref, autant Libérée, délivrée que Le Renouveau, que Je voudrais un bonhomme des neiges. Je les écoute autant les unes que les autres, donc je peux pas choisir entre ces trois-là. Question numéro 6, quelle est ta scène ou ta partie préférée du film? Oui, j'ai beaucoup aimé quand ils ont trouvé le château d'Elsa et Anna hésite à toquer à la porte ou à rentrer et il y a Olaf qui lui dit vas-y, frappe, frappe et il voit Anna qui ne fait rien, il regarde Christophe et il fait tu crois qu'elle sait pas faire? Ça c'était excellent. Quand Olaf est près de la cheminée et qu'il regarde Anna et qu'il lui fait oh, tu me fais fondre, et en fait il est vraiment en train de fondre et il fait un peu trop là. Ça c'était très drôle aussi. Sinon c'est les deux seules qui me viennent à l'esprit là d'un coup tout de suite. Ah oui, j'allais oublier aussi la scène où ils font les présentations. Oui, il y a Olaf qui fait comment s'appelle l'espèce de grand animal où je sais plus quelle comparaison animalière il fait, et du coup tous les deux répondent Sven, et il y a Olaf qui fait très bien, et comment s'appelle le cerf, et là les deux répondent Sven, et du coup Olaf fait ah bah c'est facile à retenir. Enfin ça c'était très drôle aussi. Question numéro 7, la partie ou la scène que tu aimes le moins, et je pense que c'est celle où on voit Elsa en prison, voilà, et aussi
aussi au tout début quand Anna a un petit accident à cause des pouvoirs d'Elsa. Voilà, c'est, je pense que c'est les deux scènes que j'aime le moins parce qu'elles sont tristes en fait. Et c'est triste. Question numéro 8, note ce film sur 5. Et je pense honnêtement que je lui donnerai 4,5 ou 5 parce que j'ai vraiment adoré ce film. Et voilà, si là tout de suite on me propose de le re-regarder, et ben je le re-regarde même des dizaines de fois s'il le faut quoi. J'adore ce film. Question numéro 9, si tu avais les pouvoirs d'Elsa, qu'est-ce que tu ferais? Et je pense que je ferais des bonhommes de neige comme Olaf. Je ferais plein de petits Olaf de partout. Et ça serait plus pratique parce que faire un bonhomme de neige, mine de rien, c'est compliqué. je ferais... ah oui, je lorsqu'on serait en hiver, je ferais neiger le temps parce qu'on a de moins en moins de neige ces années-ci. Et c'est triste, ça me manque la neige parce que j'aime trop la neige. Donc je pense que je ferai neiger quand bon me semble, voilà. Et je me ferai la même robe qu'elle lorsqu'elle chante Libérée, délivrée. Elle a juste une robe à tomber par terre qui est juste magnifique et je pense que je me ferai la même robe. Et enfin, question numéro 10. Pourquoi préfères-tu ce film-là à un autre film Disney? Eh bien, je ne préfère pas ce film-là à un autre film Disney parce que j'aime vraiment énormément les films Disney, parce que j'aime énormément tout ce qui touche à Disney, cet univers. Voilà, s'il y a un pull avec Mickey dessus, eh bien, je l'achète obligatoirement. C'est incontrôlable, c'est obligé pour moi. J'adore vraiment ça. Et donc je ne pourrais pas dire que je le préfère à des grands classiques comme Cendrillon ou La Petite Sirène parce que j'aime vraiment ces films-là. Mais il fait partie de mes films Disney préférés. Mais après je ne le préfère pas aux autres. Je peux pas les comparer parce qu'ils sont tous différents et ils sont tous pratiquement magnifiques. Donc voilà tout le monde, j'espère que ce tag vous aura plu. Je ne tag personne en particulier, je tag toutes les personnes qui auront envie de reproduire ce tag, toutes les personnes qui sont comme moi dingues de ce film. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ah attention, c'est là où je dis tout mon petit charabia habituel, à liker ma page Facebook. D'ailleurs on est de plus en plus nombreux et merci beaucoup. Et à vous abonner à mon compte Twitter, c'est à chaque fois un immense plaisir quand je vois que j'ai un nouvel abonné et tout, ça me fait super plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye !